Maintenant, on passe au chouchou de la semaine. C'est très sérieux. Moi, toute la semaine. Toute la semaine. Ouais, alors, ça c'est va quoi changer la semaine prochaine. Attends, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon. Alors, l'art du bruit. Tu n'as pas rabattu ton châle. L'art du bruit. L'art du bruit. Une cérémonie. Alors. Parce que ce groupe a créé, il y a quelques années, le disque de musique ambiante. Les musiques dont on se sert dans les défilés de mode, etc. Ouais, mais c'était très bien fait. C'était très beau rôle. Ouais. Qui avait créé le groupe. C'est quoi, très des Anglais, des Américains, il va être au chômage, je crois, c'est des Anglais. Ça vient d'Angleterre. Et il y a une fille qui fait tout pour l'instant, mais c'est toujours très bien. Ouais. Et puis ça décrit bien ça un peu notre époque, non? Ah bon, toi tu connais? Non. C'est vraiment super. Ah, il connaît Francis Bacon, mais il connaît pas Arthur Noël. Il traîne par là, ouais. Et puis ça décrit bien notre époque, non? L'art de faire du bruit, comme ça. C'est pas mal. Il y a des gens qui savent faire de l'art de faire du bruit que l'art de se taire. Il vaut mieux faire du bruit que... Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.